Le pas sûr est décidé. Comme son avis politique, Anna Rousseau-Rouag, cette jeune femme de 44 ans, est présente sur tous les fronts. Et ce n'est pas peu dire. Élevée dans un milieu à tendance gauche, en 2008, elle rejoint les rangs du Parti communiste, puis du Front de gauche. Et c'est à l'automne dernier qu'elle décide de prendre un virage surprenant, direction le Front national. Un événement personnel, donc sur lequel je ne m'étendrai pas, qui a été quand même la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Et au niveau impunité, je trouve que le Front de gauche est totalement à côté de la réalité au niveau de la délinquance. Anna Rousseau-Rouag avait été candidate communiste aux législatives de juin en 2012 dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. Le Parti communiste français se dit aujourd'hui scandalisé par ce revirement de bord aux apparences opportunistes. Les communistes sont un peu écœurés de ce type d'attitude qui est à mon avis motivée simplement par une ambition personnelle. Et rien de très politique, parce que quand on voit effectivement les valeurs que nous portons d'humanisme, de fraternité, d'antiracisme, nous n'avons rien à voir avec les idées et les thèses xénophobes ou ultra-conservatrices du Front National de l'extrême droite. De l'autre côté de l'hémicycle, l'arrivée de la petite nouvelle est en quelque sorte une aubaine qui ravit le secrétaire départemental du Front National, Stéphane Ravier. Effectivement, Anna Rousseau-Rouag est une militante, une ancienne candidate assez symbolique et qui démontre toute la justesse et la réalité de ce rassemblement bleu marine, rassemblement des patriotes de droite comme de gauche, que Marine Le Pen a lancé il y a déjà plusieurs mois. Et bien voilà, ça prend corps, ça prend réalité à Marseille. À l'aube des prochaines élections municipales, Anna Rousseau-Rouag pourrait devenir une pièce maîtresse dans la stratégie de campagne du Front National. Elle hésite cependant entre la mairie du 1er et 7e arrondissement ou la mairie du 9e et 10e.